jeu. Ah, il est là, ok. Ben, ça part. Ouais. Bonjour le peuple. Dites 10. Moi, probablement. C'est bien simple. Aujourd'hui, je fais du contenu facile avec beaucoup d'efforts. Pour voir que j'ai même pris le temps de pas installer une facecam parce que de la grosse merde. Fait que je vais juste genre me parler à moi-même pendant genre une demi-heure là. Fait que ouais, vous allez devoir endurer moi qui est en train de jouer à Gothic 3. Bonjour Lord. C'est pas vrai. Il y en a eu deux autres avant. Fait que genre faut que ça ait été du bon contenu. Là, on fait un nouveau perso parce que fuck off, je vous apporte sur une grande aventure. Est-ce que je vais finir la série? Non. Est-ce que c'est juste un shitpost? C'est ça. Fait que, attends, quoi, t'es trop sorti genre fin année 2000 là. Tu sais, il y a du monde qui joue à Oblivion. Ben, ce monde-là, ils ont pas connu de Gothic 3. Mesdames et messieurs, de l'eau. Joe Wood Production, compagnie qu'on n'a jamais entendu parler de. Mais ouais, observez à quel point il y a de l'eau, puis il y a pas de piranha dedans, malheureusement. C'est pas le film. Si je mets le film sur la chaîne, bye la chaîne. J'ai en masse de copyright claim de même. Bon, fait que... Ben, au moins, d'habitude, la musique est quand même bonne. Même qu'il est peut-être un petit peu trop fort en ce moment, fait que je vais essayer de parler plus fort. Mesdames et messieurs, des graphiques magnifiques. On peut voir les faces très humaines et pas pantoute, genre, rectangulaires. Il y a autant de polygones que dans Minecraft dans ce jeu-là. Fait que, ouais, grosse qualité. Nous autres, ben, on est méchants. Ouais. Vous voyez à quel point le gameplay a l'air intéressant? C'est tout le même perso, avec toute la même arme, il n'y a aucune variété. C'est vraiment le fun, ça, déjà. En tout cas, pour ce qui est de savoir l'histoire, on dirait que ça c'est comme une armée, mais ils se battent pas, ils font juste swinguer leurs armes dans les airs à l'extérieur de la cité. Stratégie militaire. Quoi, vous aimez pas mes mic screens? Mais fuck you. Ah. Nous autres, tu penses aussi. Ouais, je pense que eux autres c'est des gentils, mais qui ont genre. Rien foutu dans leur vie. Genre, vous attendiez à de quoi qu'ils parlent? Mais. Je regarde ailleurs. Même, dans le fond, en ce moment, la caméra est shaky. Mais c'est un jeu, bâtard. Quand ton caméraman n'est pas capable d'être stable de même. La bataille qui est plus violette mon arme que je tape les gens. Le combo que vous allez pouvoir voir est très passionnant et... Ouais. C'est peut-être pas aussi passionnant que j'ai des émotions. On aime bien genre, se sauver de l'espèce de sphère bouclier chiant. Mais genre... Ça a même pas fait mal au gars qui s'est pris le coup. Bon, fait que j'espère que vous êtes hype. Moi, je suis, comme vous pouvez le voir, de par ma magnifique joie de vivre.
Puis attendez-vous pas à genre de la qualité visuelle comme ça dans le jeu. Bon ben ouais, skip les vos affaires, on va taper des gens. Bon, c'est de la grosse merde le combat. C'est spam le clic droit, cause d'aïeul. Après ça, genre, le clic gauche, j'ai des grosses attaques, mais tout le monde les bloque, ce qui fait chier. Tu lui as réglé son compte! Tu tiens le clic droit, tu te mets en mode ah, je sais me battre, mais ça sert à rien parce que tout le monde pète ta garde par des attaques de main, que eux autres spam à volonté, mais que t'es pas capable de spammer, ce qui est triste. Fait que comme j'ai dit, gameplay de fou, incroyable, jamais vu meilleur gameplay. C'est ça, le PvP de Minecraft là, il devrait en prendre sur Gothic. Puis genre revenir au spam. Je me prends beaucoup de dégâts. Ah ouais. Non. D'ailleurs, j'ai bandé mon arc. Pas de joke de pénis mais comme ça. Yo. Donc ouais, le combat. Prenez des notes prochain coup qu'il y a quelqu'un qui essaie de vous attaquer avec un couteau, ok? C'est genre swinguer son couteau de gauche à droite de façon très lente. Puis vous en faites pas, vous allez tuer genre tout le monde. Genre c'est même pas du quoi qui a l'air intéressant à regarder. Bon, je peux-tu il est. Ah, de quoi j'ai oublié de dire. Ben on est comme invincible quand on heal. Tant que l'animation est startée. Puis notre perso du début c'est de la grosse marde. En fait, le perso de base, c'est une merde. Tout qui peut te casser à gueule, tu peux à peu près faire genre 0 dégâts. Vous voyez? Ouh. Ouais! Fais-lui mordre la poussière! Excusez-moi, j'ai oublié de vous dire, on est dans le tuto, fait que. LOL! Mais on se fait quand même. Coincé dans le mot du coin puis on se fait tabasser. Ouais. Interactive gameplay vraiment intéressant, voyons de quoi vous parlez. On va aller genre. Ah wow. Ça c'est genre. Je vais vous présenter. Tu sais, il y a beaucoup de jeux qui ont des attaques spéciales. Là. Genre à Final Fantasy, genre tout explose de partout. Mais regardez c'est quoi les attaques spéciales dans le jeu. Là. Soit tu spins sur toi-même parce que t'es un bon guerrier, ou il y a ça. Et voilà! Yay! Hey, je veux dire, là, vu que c'est vraiment bon gameplay, là, je pense que j'aurais dû tout le long le faire avec un accent français. Hein? Ça dit quoi, ça? Fait que genre, je confirme, prochaine vidéo des 3 autistes, ça va être genre une vidéo avec un accent français tout le long. Ça sonne-tu déjà assez cancer de même? Si la réponse est non, c'est que j'ai pas assez de cancer. Rajoutez-en. Fait que là, pendant qu'on grind à travers le tutoriel de merde, on va faire comme les autres gros youtubeurs ils font. Smash ta dislike button. Est-ce qu'on peut me pogner assez de dislike pour que le channel disparaisse? Votre job, pas la mienne. Ouais. Ouais, c'est ça. Fait que je veux juste des dislikes sur la vidéo. Je veux voir le rouge là. Pis je vais essayer de pogner genre. Hey! J'ai tué le méchant! Ouais! Wouhou! XP! Réputation! Master! Chose de RPG importante! On loot! Mais j'avertis, y'a rien de bon dans ce jeu là, à terre. C'est tout le temps genre. Qu'est-ce que tu as fait? Ah! Ouais, les orques nous auraient laissé vivre! Maintenant, Xardas va en envoyer bien plus à notre poursuite! Tu dois aller à Redoc. Est-ce que vous avez déjà envie de saigner les oreilles? Non? Ok.
Mais qu'est-ce que Xardas a à voir avec les orques? Quel est ton problème? Best voice actor. Tu n'étais pas là ces derniers temps. Xardas est le chef des orques. Il nous a trahis. Que sais-tu d'autre sur Xardas? Ce pourceau a détruit bouche... la magie des runes. Sans leur magie, les paladins et les mages du feu n'avaient aucune chance face aux hordes d'orques. Je ferais bien genre une imitation, mais pas de facecam, ça va mal. Qui est-il à Redoc? Le camp des rebelles. Il est caché au milieu de la forêt. Il y a des loups là-bas. J'ai l'habitude des loups. Sans doute, mais ceux-là sont particulièrement agressifs. Et seul, tu ne trouveras pas le camp. Sérieusement, je crois que ton ami Thorne sait où il se trouve. Bon bout de ce jeu-là, à part qu'il est vraiment drôle. Tellement il y a une merde, c'est la musique. La musique est bonne. Que dois-je dire aux rebelles? Demande à leur chef de nous envoyer du monde. Seul, nous n'avons aucune chance. Maintenant, nous y sommes jusqu'au cou. Fait que c'est ça, du bon, vraiment bon gameplay. On loot les cadavres. On est dans un bon RPG. Puis c'est ça là. Je vous dis, jouez à ça à la place de jouer à Oblivion. Oblivion, là, c'est de la grosse merde. On peut sneaker et tout. Ça sert à rien. Fuck off. C'est pas Metal Gear. J'aurais pas Metal Gear, fuck off. Tu dis encore du... Ah, attends, on va aller, genre, foutre du stock sur le feu, mais j'ai rien. Yeet. C'est un peu un chiard, genre... Tu cliques sur ce qui est... qui a son nom qui apparaît au-dessus, y'a pas de... genre... de curseur. Fait que tu t'arranges. Lui, il est beau bonhomme. Hamlor, best girl. Ouais. T'es d'accord avec moi? Ouais, ok, good. Bon. Ouais, pendant qu'on est en train de looter l'entièreté des cadavres du village, je mettrais bien de la musique, mais je vais encore perdre cette vidéo-là, fait que... Je sais pas, moi... Cancer. Bon. Coin pro gamer de gothique. Je suis pas mort pantoute à genre dans le tutoriel. C'est ça là. Faut saver parce que sinon il y a genre pas de save automatique pantoute pour pas nommer nos saves, ce qui est encore plus chiant. Fait qu'on a genre 4 saves, des backups d'une autre save, puis là ben t'as genre bienvenue à la première game de autistique. Je sais même pas comment le gars qu'on joue il s'appelle là. Juste pour dire, bon, on a assez looté, hein, je trouve. Ouais. Fair enough. Good. Bon. Faut aller voir les rebelles. Je sais son où. Vous allez devoir endurer la marche. Elle est pas longue. Mais ouais. C'est pas long. Faut finir de looter. Est-ce que je coupe ça? Non. Non. Tout le monde, bienvenue à Je Loot Simulator. C'est ça. Gameplay vraiment plaisant. Ouais. On va ramasser des herbes parce que vive la dope. Dans le fond, qu'on est le 9 en ce moment. Le 9 octobre en ce moment. Fait que dans 8 jours, ça va être vert au Québec. Oubliez pas ça, tout le monde. Allez acheter vos bonnes tout de suite avant qu'ils deviennent chers. Ouais, ça. Investissement important. Je te fais ça avec une torche. Donc ouais, clic droit, spam, c'est genre la meilleure technique de combat dans ce jeu là. Ça pis cours et genre ferme la maudite torche parce que... Ah shit, c'est vrai. Ouais, torche c'est un seul usage. Ça c'est genre un chocobo mutant moche. By the way, j'ai jamais joué à Final Fantasy VII, fait que les chocobos j'ai jamais vraiment genre... eu l'occasion de les connaître, fait que fuck off, c'est juste genre des mauvais gags, parce que humour drôle. Puis là, je suis en train de me faire casser la gueule parce que le perso c'est de la merde, puis que le combat se résume à clic droit. Pas tard, de cochon de merde. Yuka, peux-tu rapporter tes cochons? Bon, t'as. Quand je disais qu'il y a des invincibility frames, parce que. Ouais.
Yeah! C'est le même, ça se bat, hein, tout le monde. Genre, meilleure façon de se battre. Bon. Là, moi, j'aurais plus de potions, si ça se trouve. Fait que, je vais trouver le bouton. Attends, c'est bon. Trouver bouffe. Qu'est-ce qui est bon? On va manger ben, du rat. Hein? Vermine rôtie. Du bon rat. Puis on va. Bouffer du pain avec amour. En tout cas, il a l'air avec amour. Là. Ça, c'est une méchante miche. On va sacrer de la bière là parce que c'est bon la bière. Attendez. De l'eau ou de l'alcool, même effet. Yeet. Buvons de l'eau. Puis après ça, ouais. Plus de viande, c'est bon la viande. Mais c'est meilleur les patates. J'ai entendu une bébite qui pourrait vouloir me manger. Probablement un loup. Ah non, c'est un loup qui se fait casser la gueule. Regardez-moi le bon chasseur. Ah, attendez, il n'y a pas un genre. Il me semble qu'il y a un piton pour zoomer. Oups. Ça. C'est de même que ça bouge une créature, n'est-ce pas? Je pense que le loup est un peu plus dur à tuer, fait qu'on va tirer le loup, je pense. Fait quoi, tu on voit ça dans Fallout, dans Skyrim, des bébites qui s'entretuent. On peut voir que le gameplay est vraiment bon. En ce moment, je suis comme en train de jouer au Poor's Man Monster Hunter, genre où le plus gros monstre qui existe, c'est un loup. Puis je suis pas capable de tuer parce que ce maudit arc-là, c'est de la merde. Il me semble pour de vrai qu'il y a un piton zoom. Bon, on va tuer un cochon. Ou le cochon s'en vient, en tout cas. Je swing mon épée! Arrête de reculer. Hey, fuck you. Arrête de... Bon, le coup normal est complètement inutile. Parce que soit il l'évite, de même. Genre, il se pousse, puis il se prend pas de dégâts. Ou, ils te font juste des petits coups. Ouais. Ah, j'avais une quête à faire, apparemment. C'est un peu un chiard dans le jeu, là, comme vous pouvez le voir. C'est ça, c'est pas un bon vieux RPG. C'est le genre de truc qui a quand même assez mal vieilli. On sera pas long. Je vais vous laisser, genre, pendant que ça cuit. Là, ça cuit. Je check mes messages, je serai pas long. Yes, away. Fuck, no. Bon, c'est chiant. Bon. Ouais. Excusez. C'est bon, les messages sont pris, là.
Ouais. Il est là. Bon. Bouffe. Putain, on va manger du sanglier. Probablement qu'il y avait des vers solitaires dedans, mais j'espère qu'il a brûlé. J'espère. Vous remarquerez que, ben, eux autres se sont dit, un terrain. Ah ouais, regardez. Ça, là, ça, c'est high-tech. Avouez que c'est les meilleurs lens flares que vous avez jamais vus de votre vie. Genre, Crysis, là. Pff, more like Cryfif. Celle-là était pour toi, Fecto. Ah, bon. Ouais, les rebelles sont à quelque part par ici, là. Je pense qu'ils sont dans ce buisson, là. Où sont le buisson? Bon, encore des messages. De la merde, des messages. Hop là, coucou. C'est pas comme si je savais où vous étiez. Ma guerre l'air d'un bûcheron. Printemps. Je crois plutôt que ta place est aux côtés des guerriers dans la grotte. Je dois dire... Printemps, ça, les choses, c'est, mon bon? C'est le nom de quelqu'un que sa mère aimait pas. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Nous avons été chassés de notre poste par une meute de sangliers extrêmement agressifs. J'en ai déjà parlé aux guerriers. Je viens de leur conseiller. Ils sont humiliés par la perspective de combattre les orques. Si ces bêtes ne disent pas... T'es, contrôle pour skipper. Ouais, ils sont les morts. Sangliers agressifs sont morts. Enfin une perte. Voici mon... Ah non, c'est clic droit. Yay! 30 cash, monnaie. Hey, je peux-tu level up? Non, je suis level 2. Puis j'ai genre... Quoi? 3000 d'XP quand même. Ah, oh, c'est vrai. Ok, il y a comme... Aïe. On y va-tu pour un mage? Écoute mon conseil. Oh, ça, acrobatie, ça va être important probablement parce que, genre... On peut courir... Ok, ok, ok. C'est bizarre, genre... Ah ouais, 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 ouais. Faire un mage, hein, genre... Pitcher du feu. Les éclairs. Ouais, on va être un mage. Fait que, genre... On est complètement inutile en début de game, puis après ça, on regarde les guerriers. Sois prudent lorsque tu traverseras les bois. Des éclaireurs orques patrouillent dans la contrée. Je viens d'Ardea. Ouais. Nous avons chassé les orques du village. Adresse-toi à Javier. Il est déjà au courant de cela. Un de nos éclaireurs a tout vu. Javier est en bas, dans la grotte. Rentrons dans la grotte. Moi, ce que j'aime bien, c'est à quel point ils sont pas cachés dans la forêt. Bon, fait que toi... En passant, là, ce qu'il y a dans les mains, c'est une hallebarde. Ouais. On se reparlera de la définition d'une hallebarde. Pis ben c'est la meilleure arme qui existe dans ce fucking jeu là parce que ça demande genre pas de stats à utiliser quasiment. Pis ça tape de loin, fait que ouais, fait qu'on va avoir ça probablement. Ah, on peut pas faire notre voleur malheureusement parce que ouais. Parler à Jean-Sébastien. Oui, je suis un peu inquiet ces temps-ci. Pardonne-moi. Que puis-je faire pour toi? Qui es-tu? Mon nom est Sébastien. Fait que il t'a pas dit son nom, mais genre. Redoc. Il t'a confié qu'il était genre. Sa dépression. Tu portes la tenue d'un mage du feu. Avant que la guerre n'éclate, j'étais un haut mage. Après un mois de chier les boules mais de un jour, feu. Les mages du feu regarde mes toute mouvements leur magie totalement naturels. Peu de temps après la guerre avait cessé. Ouais. Cette aube est la seule chose qui me reste de mon rang. Tu vas faire désormais. Je vais rester ici, à Redoc, et étudier les vénérables écrits de nos aïeuls. La légende. Moi, je dois raconte dire, que les anciens possédaient une magie expert, que nul autre pas l'air d'être la meilleure place où les cacher. Elle était totalement dissociée de si tout artefact, vu, à l'image des runes qui nous conféraient notre pouvoir. Je donne la job à moi dans le futur. Je de sais le faire, simplement là, que les anciens ont bien existé dans un lointain passé. Genre, et qu'aujourd'hui encore, leurs artefacts sont disséminés partout où s'élèvent leurs vestiges. La seule manière d'en apprendre davantage sur leur magie est de percer les mystères de ces vêtements. Ta gueule, je veux...
Et brûler des trucs. Les calices de feu qu'ont-ils de particulier? Les calices de feu sont très anciens. Pendant longtemps, nous les croyions tous disparus. On raconte que ces calices possèdent d'incroyables pouvoirs magiques. Si d'aventure tu trouves un calice de feu, porte-le au mien, à Nordmar. Ils pourront en apprendre bien plus que moi à ce propos. Ok. Fait qu'il ne m'apprend pas magie. Fuck off. Faut se trouver un mage qui va nous apprendre à faire du feu. Je veux brûler des trucs. Non, tout ça à rien. Tu sais de quoi, toi? T'as un nom différent, fait que probablement. Je le sais déjà. Waouh, on est vraiment parfait déjà. Ah, il nous regarde, hein. Je pense pas qu'on va être capable de, genre, voler de quoi. Dommage. Peux-tu me vendre une hallebarde? Genre, Bienvenue, étranger. La même affaire que tout le monde. Que puis-je pour toi? Genre, as-tu besoin de nourriture? De vêtements? Non. Ta gueule. Bon. Moi. Ok, bon. Fuck all. Sweet. Bye. T'es qui, toi? T'es une femme? Et bâtard, ça, là. Ça, c'est la fille de joie. Bon, salut! Ah, ouais. Hey, des coffres. Personne? Sneaky sneaky. Voilà. C'est de même le magnifique crochetage de fou qu'il y a. Hey! Chuck Norris. Un nouveau visage. Ouais. Que fais-tu ici? Je veille sur nos forts. Genre, je ne me présenterai pas. Laisse-moi juste. Apprends-moi à me battre. Très bien. Je te montrerai comment te servir. Peux-tu m'apprendre à combattre? On va aller au gym un peu. Ça coûte cher. Continue. C'est ça là. Bon, je pense qu'ils vont me rendre à 150. Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour me rendre à 150? Ils ne possèdent pas assez de. Ok, non, je suis pas ouf. Yeet, pas assez de cash pour aller au gym. Bye. Si on peut pas, ça, on va se faire pogner, c'est garanti. Pratiquement. Sneaky, sneaky. Non, c'est toutes des armes plus mauvaises que la mienne. Ah, ben c'est pas grave, je vais y vendre. Oh, une hallebarde. Yeet. J'aimerais genre. Ok, regardez à quel point c'est le cancer la hallebarde là. Ça apparaît là-bas. Alors, je vais prendre tout. Non, yeet. Je pique tout, fuck off. Il vous restera plus rien. Salut. Je suis un bandit. Non, fuck off. Pas de dodo tout de suite, là. Bon, on va saver, peut-être. On va par-dessus la carte. Je veux pas, genre, déliter mon autre game magnifique. Voyons voir. Est-ce que je peux utiliser l'albarde? Ça me demande une arme lourde. Bon, fait que... Fuck. Hey, je peux-tu essayer de m'arranger à avoir deux épées en même temps? Ce serait quand même cool, ça. Un pierre, on la met là. Dis-moi que je peux dual wield dans le jeu. Je peux pas dual wield. Fuck! Bon, ouais, de la merde. Bon, ben, faut se pogner arme lourde avec, genre, quoi que ce soit qui veulent la... Ah, dommage. Je me serais bien pris. Bon, mais. On va juste aller checker un peu. Non, qu'est-ce que ça demande pour que j'aille. Peux-tu m'apprendre à combattre? Arme lourde. Tu n'es pas encore prêt pour cela. 40 points de force. Bâtard. Bon, ben, faut hit the gym, puis après ça, faut hit the gym, puis après ça, faut encore hit the gym. Puis à un moment donné, faut, genre, prendre... Hey, Javier,
Tu es nouveau ici, n'est-ce pas? Beaucoup de réfugiés nous ont rejoints à Rouen ces derniers temps. Toutefois, vous le fourrez. Genre, toutes les... aucune femme qu'il y a ici. Genre, ouais. J'ai besoin. T'as besoin d'un. Nous avons chassé les... C'est à toi que nous... Ah, yeah! Plus notre peuple. Yeet. C'est toi qui dirige, ouais. En ce qui concerne le combat contre les orques, j'y mets... Comment puis-je vous... Il existe le... Nous devons... Well, fine. On save. Bon, attends, on va aller se faire tuer dans une caverne, puis après ça, moi je termine l'épisode parce que ce sera bon. Putain, hey, des gobelins. Genre, ils sont moins cool que dans Spider-Man, pis ça doit être genre les pires gobelins de tous les temps. Ok, tout le monde, genre. Parce qu'il faut, genre. Oh wow, je me meurs. Oh yeah. Tu sais, notre perso, c'est de la merde. Il y a de la misère contre des gobelins. Non, fait que... Ouais, comme je disais, perso de merde. Reçoit de la merde. Ta gueule. Gobelin de merde. Fuck. Fuck you. Wow. Sinon, je dois dire, les effets sonores des gobelins sont... atroce. Je pense que je vais y mettre dans ma prochaine toune. Hein? Je veux 40 000 dislikes, puis je fais une toune à partir du son des gobelins, puis de mon perso qui se fait frapper. Fait que des ou puis des ya. Bon, ben à cette heure qu'on a réussi à tout tuer ça, puis qu'on a pas pendant tout passé 7 potions et demi, puis genre. On est passé proche de mourir, on va aller se tuer sur ce gros lézard là. C'est comme je disais, genre les grosses attaques ne servent à rien. Parce que. Gate. Fait que vous voyez, c'est la fin. Bonne nuit.